Coucou et bienvenue sur Écrire de Lilithilda. Voilà, je vous présente mes petites épées que j'ai mis là-dedans. En fait, je vais vous montrer parce que il y en a pas mal qui sont finis déjà, quelques-uns. Donc là, j'ai fait une petite commande encore, j'ai craqué. Bah ouais, ça arrive. Voilà. Donc pour ceux qui sont finis, je les ai mis dedans. Donc ça, c'était mon deuxième, car le premier, vous saviez que c'était un papillon que j'avais fait. Donc ça, c'est mon colibri. J'avais fait en premier, voilà. Et en plus, il brille trop, et c'est trop beau parce que ça brille super. J'aime beaucoup que ça brille. Le troisième, c'était celui-ci. Alors, celui-ci est trop chou. Ça fait un petit peu Pâques, tout ça. J'aime beaucoup. Ça, je l'avais eu à la Maison des Bleuets, mon petit magasin de scrap. Donc, superbe. Très joli rendu, j'aime beaucoup. Là, j'avais fait un bouquet de fleurs que j'ai terminé. Oups, ça va tomber. C'est ma bouteille d'eau. Voilà, je vous montre. Regardez, c'est trop beau. Alors, celui-ci, je l'ai aussi en diamant carré. Là, c'est des diamants ronds, mais je l'ai aussi en diamant carré. On verra la différence. Regardez, il est trop beau. Il est juste magnifique, celui-ci. Et j'ai fini aussi mon petit escargot Tilda. Regardez. Il est trop beau. J'adore. Il est magnifique, vous avez vu? Il rend trop bien. Et là, eh bien, j'en ai attaqué un autre. Donc j'en ai commandé encore là. Je vais pas les recevoir maintenant, mais même c'est pas grave, ça arrivera bien un jour. Voilà. Je vais vous montrer celui que j'ai su commencer. Alors, c'est celui-ci avec les bocaux. Il est trop beau. Voyez? Alors, j'ai commencé ici. Déjà, elle est magnifique. Voilà, je vais vous le montrer en grand. Celui-ci, il est très grand. Il fait 50 sur, je sais plus combien. Et du coup, c'est avec des diamants carrés de soie-ci. Regardez. Alors, dans le bas, bah, c'est un bouquet de roses. Voyez, ici. Il va être trop joli. Et là, j'ai. Alors, ça vous fait ça. Voilà. Là, on voit bien que j'ai attaqué la rose. Et il va être trop joli celui-ci. Et du coup, là, j'ai attaqué un bocaux. Oups. Vous voyez? Ça, c'est les X. Non, les étoiles. Donc j'ai hâte. Donc ça, celui-ci, il a 45 couleurs et c'est un 50 sur 40. Donc comme vous pouvez voir, ça vient de chez Huacan. Voilà. Donc bah, mes petites perles, je les ai mis comme ça. Je les ai préparées comme d'habitude. Voilà. Et puis j'ai mis dans des boîtes comme ça. J'ai commencé à les mettre dans des boîtes comme ça. Voilà. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, mais je me suis pris aussi dans ma commande un trieur en fait. Je montrerai ça quand je les aurai. Ensuite, j'ai fait des petits achats, mais rien de bien de voilà. Sauf pour vous dire bah, que j'ai trouvé. Alors, attendez, bah, les fans de sphère. De chez Action, j'en avais trouvé que deux pots en premier et là bah, j'ai fait le pire parce qu'elles sont trop bien. Voilà, petite paire comme ça, elles sont trop belles. Voilà, et du coup bah, j'en ai d'avance. Alors donc dans les magasins, dans le magasin Action, je l'ai trouvé comme ceci. Un petit pot comme ça.
Moi, je les ai enlevés parce que voilà. Et je crois que je vais faire un... Là, j'avais commencé à trier. Et je crois que je vais continuer à les trier, à les mettre par couleur et dans les boîtes comme ça. Et je vais m'amuser à trier tout ça. Ouais, j'aime beaucoup. Celle-là, j'aime beaucoup. Celle-là aussi, elles sont pas mal. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça, j'avais pris ça. Bonjour, je passe au fur et à mesure, parce que là, c'était carrément le brin. Et du coup, j'en avais ras le bol. Et du coup, j'ai tout rangé. Tout rangé. Alors ensuite, je voulais vous montrer... Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ben, je ne sais plus que j'avais... Ah, je ne sais plus. J'ai perdu le filon. Ah oui, du ruban, parce que je l'ai mis devant moi. Alors j'avais été chez Mondial Tissu. Voilà, parce que j'avais du ruban comme ça. Alors moi, je le prends tout le temps en grand et en petit. Voilà, j'avais les roses comme ça à Vichy. D'ailleurs, j'en ai au moins 5. Comme ça, 5 ou 6. Et du coup, je les ai trouvés en bleu. Bleu à petit Vichy. Mais ils sont trop jolis. Regardez. Ils sont trop beaux. Alors, j'avais pas la couleur bleue comme ça. Et quand je les ai vus, je les ai trouvés trop beaux. J'aime beaucoup comme ça. Alors, en ce moment, ils font des promotions. C'est 1 euro le petit truc. J'en ai pris plusieurs. Évidemment. Et chez eux, j'ai pris des aiguilles d'MC. Et j'ai pris plusieurs tissus. Donc un que j'ai pris plusieurs fois. Parce que je le trouve trop joli. C'est d'ailleurs, je vais y retourner parce que j'ai vu de l'autre tissu. Je verrai certainement demain. C'est des petits morceaux de tissu de 45 sur 55 cm. C'est 100% coton. Et ça vous coûte 3,49€. Mais moi, je les ai payés 1 euro moins cher puisque c'est les soldes. Et ça, je suis trop contente. Il est très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Pareil, les aiguilles de DMC et tout ça, c'est pareil. C'était des soldes dessus. J'ai acheté les bobines, etc. Il y a des soldes dessus. Donc bah, vous pouvez regarder chez Mondial Tissu, c'est assez intéressant. Et je vais vous montrer, j'ai fait une boîte avec comme ceci, avec bah, les boîtes de chez Action. D'ailleurs, je vais aller en chercher parce que bah, j'aime beaucoup et c'est très pratique pour ranger à l'intérieur. Moi, je vais mettre des petites choses, voilà, et je pourrai en faire... pour mettre dans mes envois. Voilà. Et je trouve ça trop mignon. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris la boîte de chez Action comme ceci. Donc, vous en avez des carrés, vous avez des rondes, vous avez enfin, plusieurs. Donc, moi, j'ai pris des rondes comme ça. J'ai pris la plus grande. Et j'ai fait... bah, c'est... Alors, je vais vous montrer. Donc, ici, j'ai mis de la dentelle toute simple blanche. Vous voyez, avec un petit liseré. Petit bout de fil avec des petits liserés comme ça, c'est mignon. Par dessus, j'ai mis une petite dentelle comme ça. Voilà, donc, vous avez ça tout le tour. J'ai mis un petit coussin comme ça, on va dire que c'est un petit coussin. Ah, ensuite, j'ai remis cette dentelle comme ceci que j'ai mis là ici autour et j'en ai mis un plus petit. Et j'ai mis ici un comment la dentelle, la même qu'il y a là, donc ça fait un rappel, voilà. Et ensuite, ben, je l'ai fait tout simplement, j'ai mis un petit lapinou comme ceci, voilà, avec son petit nez rose, il est trop joli, j'adore. Après, j'ai mis une petite applique ici et puis j'ai mis une petite rose et avec un petit ourson tilda comme ceci que j'ai fait avec du papier fou, voilà. Ensuite, j'ai mis deux petits nœuds roses comme ceci de chaque côté. Voilà.
avec une petite fleur ici et la même chose ici, et ça vous fait ceci. Alors c'est grand hein, c'est quand même grand parce que, alors je voulais le monter sur 3, puis je me suis dit oh comme ça c'est beau comme ça, et puis moi ça va me permettre de ranger plein de choses, et du coup en tout ça vous fait en comptant le haut des oreilles du lapin, ça vous fait 21, et sinon ça vous fait 18 cm. Donc ça c'est grand, et la boîte elle fait en diamètre 11,5. Voilà, 11,5. Donc c'est pas mal grand. Donc on peut faire plein de petites choses avec. On peut mettre plein de petites choses. Voilà, voilà. Donc moi j'ai continué mon petit défi. Voilà, mes petits abonnés. Et puis je vous fais des gros 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 bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les créas de Lily Tilda. Bisous bisous.